Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play Découverte sur écologie. J'ai checké un peu les choses concernant le mode hors réseau et effectivement, si on peut voir les factures, le fait que j'ai mis un petit panneau solaire au-dessus, et ben ça génère un petit peu. Vous voyez, j'ai généré 6 trucs d'électricité. Donc en fait, je pourrais très bien soit les vendre, soit. Et bien les utiliser. Donc voilà, je paye moins cher parce que j'arrive à produire de l'électricité. Pour l'instant, je n'ai pas cherché. Donc j'ai pas encore vendu la gazinière parce que en fait, elle n'allait pas me rapporter trop d'argent. Et apparemment, voilà. Vous voyez que je peux quand même commencer à cuisiner. Sinon, j'ai mis une glacière ici dans la cuisine pour pouvoir voilà, manger un peu plus repas solo que des repas que l'on faisait toujours au grill ici, qui c'était par 8 et qu'il fallait gâcher, sachant que c'est un truc sur le recyclage et l'écologie, on va pas gâcher non plus. Et ça, c'est les deux objets que notre ami Jonah a récupéré dans la benne à ordures. Nous avons ce truc-là de très joli hein, que je peux revendre déjà. Et ce lit qui est certes endommagé. Mais je le mets de côté parce que le jour où on pourra le réparer, il va nous rapporter quand même 8000 simflouz. Oui, il vaut 8000 simflouz. Là, en l'état, il en vaut zéro. Mais remis bien comme il faut, il devrait valoir 8000. Donc, on va le garder de côté, quoi. Notre petite Sacha Madame, Miku, se lève, mais eh loin d'être bien, ravie, tu vas pouvoir essayer de te prendre une petite alors. douche. Non, mais si tu vas, si. Alors le récupérateur de rosée, le moins cher, il est quand même à 500 simflouz, donc pour l'instant on peut pas trop se permettre de l'acheter. Il va vraiment falloir qu'on bosse là-dessus, quoi. Oh bah toi tu... D'accord, tu pues la mort, mais tu te fais des steaks. Tu t'es dit, c'est une bonne idée. On va donc acheter un peu de... Peut-être... je sais pas, des fruits. On va acheter un sachet de fruits pour pouvoir commencer à planter ici. Parce que je peux pas tout acheter non plus. Tu vas ouvrir ton sachet de graines, cocotte, et puis on verra ce qu'il y aura dedans. Mais c'est un truc de fou! On a eu des graines de soja, mais c'est trop bien. Donc si vous savez pas, eh ben nous avons. En fait, j'ai découvert que pour fabriquer des bougies, eh bien, il y avait les graines soja qui avaient commencé à arriver dans le jeu. Tu vas pouvoir arroser aussi. C'est bizarre, non? Ça fait un tout petit truc. Ça réussit à germer dedans, ouais. Parce qu'apparemment, il y a des plantes qui ne veulent pas s'implanter là-dedans. Et donc, en gros, les graines de soja, ça donne du coup la graine. Mais on peut aussi récupérer la cire. Et la cire, du coup, elle sera parfaite pour faire des bougies. Jonah, lui, il s'est dit, je vais aller chercher dans la benne parce que je me suis lavé et je suis enfin propre. Donc, tant qu'à faire, je vais replonger. Et je viens de capter que pour Sacha... Qu'est-ce que tu vas faire? Bah écoutez, elle va essayer déjà s'occuper avec la plante. En fait, les tas de compost et tas de déchets recyclés, je n'ai qu'à faire composter ou recycler. Et en fait, ça va me donner ce qu'il faut pour pouvoir construire des choses, en fait. Donc c'est génial. Est-ce que du coup, tu peux trier les déchets recyclables surtout? Ouais. Comme ça te fera aussi du matériel et on pourra commencer à faire des bougies, les vendre et gagner notre vie. Oh bah oui, les plantes de soja, elles sont déjà bien germées, quoi. Ah, c'est trop cool. Moi, je vous dis, les bougies, ça va être finalement beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc, tu vas composter et encore recycler. Regardez-moi ces petits machins, là. C'est parfait. Oignon. Mais c'est bien. Mais c'est pas grave qu'il nous trouve des trucs. Regardez, il a récupéré de la cire. Oh, il est merveilleux. Vas-y, recherche des ingrédients, des déchets. Fais-toi plaisir. Oui, non, mais... Oh là là, oui, il est en train de crever, quoi. Air immonde, empreinte écologique industrielle. Mais avec la tête dans la benne, je suis d'accord. Empêcher un gâchis de nourriture. Ah bon? Qu'est-ce que t'as fait? Cette nourriture vient de trouver ce que j'avais clairement fini dans une décharge. Oh, c'est sympa! Non mais regardez, on va pouvoir commencer. On a trouvé une petite plante et tout. Non, 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 mais tout va mieux aller, je vous le dis. Sinon, sur les plans d'action, on va les consulter. Donc c'est revenu à zéro pour tout le monde. Et voilà, c'est dégustation de délicieuses boissons qu'il y a en tout cas dans ma partie. On voit que c'est les bobos qui ont pris le. Voilà, hein, enfin les bobos, les riches quoi, hein, les plénosas, tout ça, tout ça. Mais apparemment, pour gagner des points d'influence, il suffit aussi de pratiquer la pétillerie et la mixologie. Voilà, et ça en fait gagner de l'influence comme ça. Mais moi, je vais essayer de discuter plutôt avec les gens.
Hein. Voilà, genre une vieille, elle, comme elle, tu peux te dire que ben plus, elle va vite mourir, donc c'est pas très grave, on va quand même pouvoir l'influencer peut-être. Et elle derrière, eh ben on va lui reparler un petit peu. Regardez-moi comme elle gagne des petits points d'influence là en discutant tranquillement avec les gens. Ah, c'est bien. Bon, elle est toujours un peu tendue à cause de l'air dégueulasse, mais c'est normal. Mais voilà, on a déjà 13 points. Bon, malgré sa mauvaise tête et son odeur un peu, voilà. Lui aussi fait connaissance avec les gens du quartier. Lucas Munch, bah oui. Tu peux pas pisser dans la poubelle, t'es sûr? Bon, bah non. Ah là là, Sacha en pleine histoire incroyable qu'elle a pu vivre dans sa courte vie et pourtant si intense. Vous saviez que moi, mes ancêtres viennent de cette région et en fait, c'est la première fois que je fais les pieds. Vous voyez pas ma tronche que je suis un peu déçue quand même, hein. Je suis pas sûre que ce soit très effectif ton histoire, Jonah, de danser devant la glace. Ça ne fait pas très effet. Mais comment elle peut être tendue à ce point, genre, je n'ai rien recyclé! Oh mon Dieu! C'est trop dur la vie! Allez, détends-toi! Tu vas retourner à la maison, tu vas recycler tout ce que tu pourras. T'inquiète. Mais qu'est-ce que. Bah, madame? D'accord, madame, elle est venue s'inviter chez nous pour manger nos hamburgers pourris. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Si ça peut servir, on est dans la ville où il faut recycler justement. Et du coup, oui, nous pouvons fabriquer deux sortes de bougies juste avec du bloc de cire et avec du colorant noir. Écoute, tu vas commencer par celle-là. Tu vas pas me parler à la dame, c'est pas très très grave. Tu vas commencer à faire tes premières bougies, mon petit Jonah. Puis pourquoi lui? Parce qu'en fait, il a justement, je lui ai mis l'aspiration créateur magistral. Donc par exemple, il doit atteindre le niveau 3 de la compétence fabrication d'objets et recycler 5 fois. Donc, eh ben, il va s'y mettre. Bon, on peut pas dire que cette activité non plus le divertit à mort. Effectivement, les plants de soja ont grave, grave, grave poussé, hein. Ah ouais, trop cool. Allez, mon petit, tu vas bientôt avoir fini ta première bougie qu'on va pouvoir vendre. 25 simflouz, parce que c'est trop cool. Oh là là, regardez-moi ça. 25 simflouz. Allez, hop. On a commencé à gagner notre vie. Tu vas pouvoir m'en créer quelques autres parce que il faut. On va garder le colorant pour l'instant. Hein. J'avais pas vu, mais il a ramassé une racine de valériane, connue pour attirer de nombreuses espèces de mouches avec son odeur parfumée. Il vaut mieux la tenir à distance lorsque vous cuisinez. Oh my god, mais on va essayer ça, hein? Moi, je dis on va essayer. Alors, le seul problème, c'est qu'on n'a que ici. Je sais pas si ça va prendre. Je pense pas, hein. On va. Je sais pas trop. Bon, écoutez, on va le mettre, on va le garder là-dedans. Allez, recycle, mon ami, recycle ce que tu peux recycler. Et ça fait ce qu'il faut pour fabriquer des bougies. Alors, comme on a déjà plus de cire, bah, on peut pas faire grand-chose. Mais par contre, notre deuxième bougie est vendue. On a gagné 50 simflouz. On est encore loin de la richesse, mais il faut un début à tout. Bon, bah, on n'est pas sur le meilleur matin concernant le pauvre petit. Jonah, allez, tu peux aller prendre ta douche, tu peux aller aussi bah, aller aux toilettes. Tirer la chasse en économisant, j'avais pas fait attention qu'on pouvait. Mais c'est trop bien. Ah non, mais viens, tu m'as cassé encore la douche. Mais c'est pas possible, c'est vraiment une douche de caca, hein. Tu vas me nettoyer ça tout de suite, Sacha, et puis bah, dans ce cas, tu vas finir par te laver rapidement dans le lavabo, hein, tant pis. Hein, hein à la Lord and Lady. On est reparti pour faire un peu de tri. Allez, tant qu'à faire, tu vas venir ici. Tu vas venir trier dans cette benne qui est ta nouvelle meilleure amie, peut-être ta future femme, on ne sait pas. Et tu vas chercher des ingrédients et chercher les trouvailles également. Ouh, le petit raton. Ouais. Et ben Sacha, elle a donné un petit coup de main à son frère. T'as trouvé des trucs? Juste du matos. Alors que le soja a donné ses premiers fruits. C'est merveilleux d'ailleurs. Franchement, il a fallu que je les plante pour remarquer que ben, qu'il y avait une plante juste ici de soja. Je l'avais pas vu pousser en fait dans ces tas d'immondices qu'il y a partout. C'est vrai que j'étais happée, les yeux étaient happés par ces horreurs. Du coup, j'avais pas vu ce petit machin-là qui avait réussi à pousser. Oh, regarde-moi. Oh, il boit du jus! Trop bien! Tu vas un peu lui parler, être sympathique. Regarde, voilà. Tu gagnes de l'influence, mon petit. C'est ça qui est beau. C'est ça qu'on veut aussi, gagner de l'influence pour pouvoir voter pour en masse pour nos propres thèmes, quoi. Enfin, voilà, pour ce qu'on défend, évidemment. Pour nettoyer cette ville. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte, les petites graines de soja, là?
Sont sympas avec toi? Ah, faudrait que t'ailles aux toilettes, ma cocotte. Et par contre, le divertissement, il est remonté à fond. Qu'est-ce t'as fait pour remonter à ce point? Bah écoutez, elle a une vie secrète dont je suis pas au courant. Qu'est-ce que c'est quoi, quoi? Gestionnaire des déchets? Carrément? Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Vous allez regarder notre poubelle et vous allez juger si on a fait ce qu'il fallait? Sérieusement? Il y a un gameplay, il y a un mec qui vient vérifier si nos poubelles sont bien triées. Remarquez, c'est déjà un peu le cas avec le tri qu'on a chez nous. Ah bah écoutez, on peut se renseigner sur la gestion des déchets. Bah, tu vas te renseigner tout de suite. J'ai envie de savoir si on gère bien comme il faut, quoi. Merci de poser la question. La gestion des déchets est une fonction importante dans un foyer et permet d'éviter des problèmes d'hygiène comme les germes ou des animaux nuisibles. J'ai également examiné vos déchets d'extérieur et vidé vos poubelles pleines. Ce service vous coûtera 50 simflouz. Mais non, mais pourquoi? On t'a rien demandé, monsieur? Oui, il abuse lui aussi. Mais... Nistibi? Ouais, bah c'est ça, ouais. On t'a rien demandé. Je crois que j'ai oublié de mettre des chaussures à cette pauvre Sacha. Pff. Et monsieur, regarde comment on trie notre poubelle. Nous, regarde. Voilà, nous, on trie comme ça. Oh, mon pauvre, t'es dégueulasse. Ah, bah écoute, va te laver rapidement. Et après, on va aller voir le terrain communautaire qui est là-bas. On va y aller avec les deux. Bah après les vampires, c'est les magiciens très moches qui viennent nous emmerder. Non, bah ça ira. Nous voilà donc à ce... une ancienne usine d'extérieur. Pas trop trop dégueu avec les petits toits transparents et tout. Mais bon, voilà. Oh si, ça me plaît, vous savez pourquoi? Parce que ben, il y a la machine, y a le recycleur qui est là en fait. Donc on va pouvoir recycler les trucs qu'on a directement. Recycler à partir de l'inventaire. Ah oui, la table de couloir. Ouais, parce que ça, c'est ce qu'il a trouvé. Oh, les écouteurs, par contre, je vais peut-être lui laisser pour qu'elle écoute de la musique. Bon, les tons des parents, on va les garder quand même, c'est pas cool, on va pas les supprimer comme ça. Tu vas recycler ça? Pourquoi pas? Toi, si tu peux... Il va y aller tout de suite chercher des ingrédients. Vas-y, fais-toi plaisir. Et puis, on va aller regarder aussi ce qui se passe. Consulter les plans d'action dans le quartier. Ça, on connaît, mais pour directement l'espace communautaire. Alors, espace de création, jardin communautaire ou marché? Eh bien, c'est pareil. C'est du vendredi au lundi. Et pour l'instant, il n'y a rien parce que les votes ne sont pas ouverts. Mais écoutez, on y retournera. En tout cas, là, ils en ont rien fait. Je pense que... On essaiera de faire un de chaque. Comme ça, on verra ce que ça donne. Ah, elle a fait son premier petit cube. Ah, regardez comme elle est contente. Sauve le monde. Raison est bienveillante. C'est vrai qu'elle est bienveillante. Nous avons reçu vos premiers débris en morceaux et morceaux utilisant le recycleur. Vous avez reçu vos premiers débris et morceaux en utilisant... le recycleur. Passez votre curseur sur le recycleur ou les fonds du foyer pour voir la quantité obtenue. Ah, d'accord, oui, d'accord, j'avais pas vu, on en a quand même pas mal, hein. Les débris et morceaux permettent de fabriquer des objets à l'aide de la machine à fabriquer et d'alimenter des objets produisant de l'eau et de l'électricité. Ah, alors du coup, on va peut-être voter pour faire un espace de création de machine, là, je sais plus comment ça s'appelle. Recycler des choses trouvées dans la benne à ordures est un bon moyen d'obtenir plus de débris et de morceaux. J'avoue! C'est pour ça qu'ils vont tous y aller, regardez, là, c'est pire qu'une boîte de nuit, hein. On est carrément là pour trier tout ce qu'on peut. Arrête de faire ton con, là, dis bonjour aux gens, je sais pas. Oh là, la tête qui fait, mais Jonah, t'inquiète, hein. Dis, sois sympa avec les gens un peu, non? C'est bien, elle sait gérer cette machine sans même avoir touché une seule fois avant. Et on a récupéré encore un petit... Ouh, 165 et 105. Je sais pas ce que c'est, qu'est-ce qui équivaut à quoi, mais c'est pas mal, c'est beaucoup. Pendant ce temps-là, on essaye de gagner des points d'influence. Voilà, sympathique, hein, auprès des gens. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les deux? Là, on dirait qu'ils s'approchent de la benne pour faire des crapulades. Oh, pas devant nous quand même, ce serait bizarre. Bon, allez, arrête de faire joujou, on va rentrer à la maison parce que ton frère, il est dans les pires des états. Oh, what? L'empreinte écologique de votre quartier est neutre? C'est pas vrai? On a réussi à changer exaltation de la récupération. Sauve le monde, évidemment. Conversation agréable et tout. Mais non.
Avec nos petits, notre petit, ben c'est super. J'arrive plus à parler, excusez-moi. Je m'y attendais pas en fait. Ben, à force d'aller trier et de faire des tris dans les poubelles, et ben ça a amélioré l'empreinte écologique. On n'est plus dans la pollution la plus extrême. Il fait déjà meilleur quoi. Ah, oh, c'est cool. Mais Bichette, tu m'as cassé le robinet. Bon bah voilà, hein. Ce sera à ton tour de réparer encore une fois. Et toi, Jonah, tu vas me faire une petite bougie parce que t'as rien fait aujourd'hui. Et puis ça renflouera un peu notre caisse parce que le gars qui est venu pour les poubelles, il nous a niqué quand même 50 simflouz. Donc pile ce qu'on avait gagné avec tes pauvres deux bougies qu'on avait fait. Donc au boulot quoi. Et voilà, on a fait une jolie petite bougie. Tu peux m'en faire une deuxième? Ah bah non. Ah bah non, il nous manque de la cire, c'est vrai. Bon mon petit. Ouais, ce problème c'est que j'ai fait qu'une seule. Bon bah t'as raison, va te coucher, va t'es crevé. Et lui, il va en divertissement, en hygiène, en énergie, c'est mort quoi. Ouais, Sacha, tu peux aller te coucher également. Tiens, Jonah, il y a ton super pote qui est arrivé. On va pouvoir beaucoup discuter avec lui pour gagner des points d'influence. Ce serait trop bien, parce qu'on est déjà jeudi, c'est-à-dire que demain, c'est déjà les votes. Ouais. Donc il faut bien choisir. Omar dit l'enjôleur. Tu crois qu'il a des vues sur Jonah? Ouais, enfin j'étais pas partie sur un mec, enfin disons qu'il est pas très très sexe quoi. Quitte à aller voir un mec, autant qu'il soit aussi sexy que Jonah, hein, bon. Oh, trop cool! Mes petites plantes, elles ont un peu récupéré la cire, donc on va pouvoir faire au moins 3 boujaks. Si c'est pas merveilleux tout ça, d'ailleurs tu vas aussi tout récolter. Voilà, des graines, tant qu'à faire. Oh la vache, tu pues ma pauvre. Mais le pire, vous savez, c'est qu'elle vient de sortir de la douche et tout. Moi, j'en peux plus. Il y a quelque chose qui se passe ici dans cette maison, mais ils sont tous tout le temps dégueulasses, quoi. Pourtant, elle n'a pas été dans la poubelle aujourd'hui. Ouh là là! Oh bah oui, bah je sais que vous avez grandi dans le même bide, mais quand même, c'était bizarre ça. Bon bah dans ce cas-là, vas-y, présente-toi, essaie de discuter toujours. Ouh là, c'est lui qui est en train de se brûler les doigts, le pauvre. Mais mon chou, je suis désolée. Allez, vas-y, continue à créer des bougies. Wesh, on est monté à 37 points d'influence là pour Sacha, regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est bien, c'est parfait. Pendant que petit Jonah, il va dans la poubelle, on peut vendre pour 75 simflouz de bougies. On a atteint 447 simflouz, c'est super. Franchement, c'est trop bien. T'as trouvé quoi? Un ananas? Sérieux? Mais c'est énorme, hein. Et il faudrait qu'on achète des pots pour pouvoir les cultiver, pour gagner un peu notre vie. Je suis pas sûre que l'ananas, ouais, il va pas vouloir quoi. Hein. Et puis ici, il va pas se planter. Donc, non mais on a reçu aussi, j'ai trouvé une baie romantique pour les trucs à émotion. Mais il va falloir acheter ce qu'on peut acheter parce que là, c'est complexe. C'est marrant, ils y vont automatiquement dans la benne en fait. Elle va chercher des trouvailles. Oh oui, vas-y, trouve-nous des trucs, hein. Parce que le jour, on pourra peut-être les réparer. On sera peut-être riche, qui sait. On ouvrira un Ikea. Et ben voilà, elle a trouvé une table basse. C'est bien, je les laisse de côté. Bon, le pauvre, on fait pas attention à ça, ils veulent pas nettoyer, bref. Je le fais jouer en masse sur son téléphone parce que. Là, le divertissement ne remonte absolument pas, alors que Sacha, oui. Donc voilà, pour l'instant, ben, il est à fond sur son téléphone, quoi. Et t'es re de nouveau dégueulasse alors que t'as juste joué à ton téléphone, hein? T'as vraiment une pauvre vie, mon petit. Ah, mais j'ai trouvé, c'est parce qu'elle parle aux plantes que ça remonte son divertissement. Bon, bah, il faudra que je fasse monter un petit peu son jardinage pour qu'il puisse parler aux plantes également. Ma belle, tu vas aller te coucher aussi. Hein? Et demain est un autre jour. Demain, on essaiera de voter. D'avoir des votes utiles et intelligents et de convaincre aussi la populace de voter comme nous. Et pour ça, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode du ce Let's Play Découverte. Je vous fais très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager et tout ce qui se termine en et. Des gros bisous, à très bientôt. Ciao!